Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name Cher ist. public, je vous souhaite cordialement la bienvenue. Je suis Christiane Greve, je suis journaliste. J'ai pour centre de gravité l'écologie, la durabilité et j'ai l'honneur ici d'animer le séminaire de la Fondation Heinrich Böll par rapport à l'ingénierie génétique. Sans doute, vous vous êtes rendu compte, on a une traduction ici de notre séminaire vers le français, l'anglais, vers l'allemand. C'est important que vous parliez dans votre langue. Il y a le petit globe qui s'affiche en bas de votre écran, comme ça vous trouvez toutes les langues et cela vous permet de bien suivre dans la langue que vous comprenez. Donc, on parlera d'une nouvelle méthode qui s'appelle forçage génétique. Les chercheurs qui cherchent là-dessus espèrent que comme cela, on pourra aboutir à des grandes avancées, une agriculture durable, etc. Mais il y a des voix critiques. Le forçage génétique, cela va contre les règles de base de l'évolution, car les caractéristiques que l'on connaît sont passées en héritage à 100%. C'est un peu comme si c'était de la magie. Cela ouvre une nouvelle dimension de l'intervention de l'homme dans la nature. Et aujourd'hui, on aimerait parler de ce que cela veut dire. Tout le sujet est encore à ses débuts, à l'échelon international en Europe et notamment par rapport à la Convention de la biodiversité, la CBD. C'est dans ce cadre-là que l'on en parle. Normalement, un congrès aurait dû avoir là pendant l'automne, mais maintenant, ça va se dérouler le printemps prochain. C'était prévu dans la ville de Wami. Là, on a voulu se préoccuper de ce sujet. Pour tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois, ce n'est pas pour la première fois que l'on fait cela. C'est déjà le deuxième événement d'une série de quatre événements, des séminaires en ligne consacrés au CDB par rapport au sujet de la nature qui traverse des combats. Donc, il y a aussi d'autres conférences consacrées au sujet de la biodiversité. Le 24 septembre, nous avons invité des experts du ministère allemand du développement, du secrétariat général de CDB, et ils ont rendu compte de la conférence qui s'est déroulée. Notamment, il a été dit que le corona a une influence sur tout le processus de la négociation et qu'un grand problème, c'est de faire en sorte que les gens du Sud puissent également y participer. Il va encore y avoir deux autres événements, les rendez-vous. Je vais vous en faire part à la fin de notre séminaire d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le forçage génétique et notamment le prix Nobel a été donné à Genefa Doudna en chimie et à Madame Chapatier. Et c'est pour cela que c'est un sujet qui a encore gagné en importance pour le forçage génétique. Cette forme de l'édition génétique joue un rôle. Nous avons des invités intéressants, Ricarda Steinbrecher est parmi nous, l'activiste Ali Tapsoba, activiste des droits humains, Andreas Wolf est parmi nous et Mareike Imken de la campagne Arrêtez le forçage génétique. Je vais encore présenter plus dans le détail ces orateurs, mais tout d'abord pour le déroulé de notre séminaire d'aujourd'hui. D'abord, on sera parmi nous sur le podium virtuel. On va donc informer ici dans ce petit format. Donc voilà, pendant trois quarts d'heure, veuillez vous patienter. Ça va être un cours magistral, mais sans doute riche en leçons et intéressant. Donc pendant ce temps-là, ne veuillez poser que des questions objectives. Si jamais quelque chose est resté
sans être précisé, vous pouvez poser la question à la fin. Et bien, à la fin, il y a cet outil réponse, question, Q et A. Cela vous permet de faire part par écrit de votre question et on va traiter ces questions. Et c'est pour cela, veuillez m'en excuser, que des fois, je regarde sur mon téléphone au lieu de regarder les orateurs. Mais c'est cela qui me permettra de tenir compte de vos questions. Je répète. Alors, c'est dans l'outil questions-réponses et pas comme d'habitude dans le chat que l'on doit faire part de ces questions. Mais le chat, vous pouvez vous en servir pour vous échanger, pour discuter parmi vous. C'est là que l'on peut encore obtenir ou envoyer des informations supplémentaires. Voilà, nos partenaires et de la Fondation vont traiter cette information. On aimerait savoir plus dans le détail qui finalement s'est inscrit parmi nous. Donc, s'il vous plaît, veuillez répondre à un petit sondage. Vous allez donc recevoir une petite image qui va s'afficher sur votre écran et là, vous pouvez cocher d'où venez-vous. C'est important pour nous de savoir ça. Malheureusement, on ne se voit pas en tête à tête. On ne peut pas savoir qui, en fait, s'est inscrit. Ça reste sans être su, mais au cours de la discussion, vous allez voir quels sont les résultats et qui sont nos participants. Alors, j'ai parlé assez longuement. Je me réjouis maintenant de venir véritablement au vif du sujet. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Madame Ricarda Steinbrecher. Elle est, donc, comme je l'ai dit, biologiste moléculaire et généticienne. Elle est membre du conseil d'administration du réseau européen des scientifiques pour la responsabilité sociale et environnementale. Par ailleurs, depuis longtemps, elle est membre de différents comités d'experts de la Convention de la diversité biologique et pour l'évaluation de risques. Aujourd'hui, elle suit notre séminaire de Oxford où se trouve son institut de recherche Econexus. Donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue, Madame Steinbrecher. On espère avoir des propos d'éclaircissement de votre part. Donc, d'abord, je m'adresse à vous. Comment ça fonctionne, le gene drive et le forçage génétique? Et quelle est la différence qui existe par rapport au procédé habituel? Ouais, c'est difficile d'y répondre brièvement, mais vous l'avez déjà présenté vous-même. Le forçage génétique, c'est une nouvelle forme, une nouvelle application de l'ingénierie génétique. Et cela devra permettre de faire en sorte que des populations ou des espèces puissent être modifiées génétiquement parlant ou puissent être éliminées. Et cela devra permettre de faire en sorte que ça ne soit pas seulement mené à bien dans un champ réduit, mais bel et bien partout dans la nature. Donc, cela a une toute autre dimension. Mais je reviendrai là-dessus. J'aimerais vous montrer vite fait. Il faut que je le retrouve. Là, il faut que je fasse un partage d'écran. Je vais vous montrer quelques transparents. J'ai oublié les termes en allemand, veuillez m'en excuser, s'il vous plaît. Moi, ça fait très longtemps que j'habite en Angleterre, j'ai un peu perdu l'allemand. Alors, vous l'avez déjà mentionné, normalement, il est dit, de par la théorie d'évolution, 50% les caractéristiques que l'homme fait passer en héritage, c'est là en haut, ou bien pour une plante, voilà, une plante, lorsqu'elle subit plus de stress à cause de l'irradiation solaire, c'est donc passé en héritage de par 50%. Là, les autres, c'est d'autres parents qui assument la responsabilité de ce passage en héritage. Normalement, quand c'est un caractéristique négatif, petit à petit, ça va disparaître. Pour ce qui concerne le forçage génétique, c'est différent. Vous voyez, le caractéristique, même si c'est négatif pour l'organisme, eh bien, néanmoins, de manière conséquente, cela va être passé en héritage à la génération suivante.
Donc, eh bien, chacun de la génération suivante va le recevoir en héritage. C'est une idée qui existe depuis longtemps déjà. On essaye de faire en sorte que l'on joue un tour à ce passage en hérité. Mais bon, toute la recherche était vouée à l'échec jusqu'à ce que j'espère découvre cette possibilité de faire en sorte d'une intervention directe. Et je vais l'expliquer. Chris Berka, sans doute beaucoup parmi vous le savez, c'est une protéine qui a une capacité de séparer l'ADN. Donc, c'est donc une partie de la DNA qui regarde où se trouve la DNA cible et va se rattacher là-dessus. Alors, là, ça se met à la double spirale. Bon, les kisses n'est pas très bien fait, mais si tout est bien fait, là, vous voyez la flèche, il va y avoir cette division de l'ADN. C'est déjà tout. Ça, c'est le genome editing. Et le reste, en fait, c'est l'organisme lui-même qui le fait. Par exemple, on regarde sur le transparent suivant. Vous avez la double hélix qui a été brisée. Maintenant, ce qui se passe, eh bien, la cellule, l'organisme dit « mon ADN est brisé ». Et c'est problématique. Maintenant, il va falloir que je le répare. Alors, il y a deux possibilités principales. Soit c'est comme sur le côté gauche, ça va juste être reassemblé, mais entre-temps, de par la cellule, ça a déjà été un peu détruit. Le résultat donc est différent de l'original. Ça donne lieu à ces knockouts. Et du côté droit, il y a l'homologie. La cellule va faire une recherche. S'il y a quelque chose qui est déjà similaire, comme ça, je vais le réparer. Alors, s'inspire d'un modèle en quelque sorte, comme là en bas. On peut y appliquer une modification simple sur le côté droit. On croit que toute une séquence génétique peut y être intégrée si à la fin du gène, on puisse y intégrer une homologie. Là, c'est ce que vous voyez représenté en bleu. Si donc là, au lieu de mettre un nouveau gène, vous avez ce molécule CRISPR-Cas, si vous le mettez à la place, cela permet de donner pour ordre de rechercher certaines séquences. Et donc, à chaque fois, ça va être réintégré pile à cet emplacement-là. Mais cette méthode, on est encore en train de faire des recherches là-dessus pour les plantes. Ça ne marche pas quasiment jamais. Mammifères, beaucoup d'erreurs pour les insectes. C'est plutôt possible, mais voilà, je n'ai pas encore parlé des risques, j'ai juste expliqué ce que c'est. Alors, CRISPR-Cas, si on prend ce gène, si on l'intègre, et si ça devient actif, voilà, un sperme est créé, la cellule donne pour ordre, s'il te plaît, transfère-toi, va vers le chromosome, vers le double chromosome. Donc, l'hélix double, là, il y a l'homologie qui est détectée, cela est intégré, et tout de suite, j'ai deux versions, et pour après, la phase héréditaire, il n'y a que ça à passer en héritage. On peut faire en sorte que ça rencontre un gène qui est important, par exemple, pour la fertilité de la femelle. Si c'est interrompu, pendant un certain temps, on ne va avoir que des descendants masculins et donc il y a le collapse de la population. D'autres caractéristiques peuvent également être intégrées en théorie et donc on peut les répandre largement au sein d'une population appartenant à une espèce. Donc, les trois éléments qui sont prévus, soit pour éliminer quelque chose, soit pour modifier quelque chose, ou bien pour qu'on puisse le remplacer par quelque chose. Alors, ce qui est essentiel par rapport à ça,
Et si j'y parle bien, je vais faire disparaître le transparent à sa marché. Donc, notamment, de par la technologie génétique que l'on a eu jusqu'à présent, quelque chose a été modifié au sein d'un laboratoire, ça a été vérifié, et comme ça, on a pu prévoir quels sont les risques, qu'est-ce qui peut arriver, quels sont les corollaires, même si on n'a pas pu le savoir à 100% sûr, mais maintenant, on prend un organisme, il est disséminé, il est donc introduit dans la nature et dans chaque génération, il va y avoir ce remplacement génétique. Chaque fois, il peut y avoir une autre erreur qui s'y introduit également. Et dans les organismes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu une modification, il s'agissait des plantes d'une culture qu'on connaissait assez bien. Donc, on savait plus ou moins comment ça se passait. Mais maintenant, après, dans l'environnement, là, la génétique n'est pas uniforme. Là, il y a beaucoup d'éléments différents et faire des pronostics par rapport aux conséquences que ça peut entraîner, c'est impossible. Mais on voit là pour ce qui s'y passe. D'accord? Je ne peux pas entrer sur le podium. Et il n'y a plus le son. Ah, bon, maintenant vous m'entendez. D'accord. Pardon. Il y a eu un petit souci technique. Merci. En tout cas, je répète ma question. Alors, CRISPR. On dit que c'est un miracle de la précision. On dit que c'est tellement précis. Là, on sait exactement ce qui se passe. Vous dites au contraire, il y a encore des choses que l'on ignore. D'où vient la contradiction? Eh bien, lorsque pour la première fois, on l'applique pour une séquence d'ADN, ça ne veut pas forcément dire que vraiment, s'y passera que ce que l'on souhaite. Mais lorsqu'on travaille avec cela dans un laboratoire, on peut d'abord regarder si on l'utilise pour la recherche, si on peut briser un gène avec ça. Donc, d'un coup, ça ne fonctionne pas. Comme ça, on peut rechercher si c'était un gène qui a été utilisé à quelle fin. Et on a aussi observé il y a d'autres caractéristiques qui se produisent lorsqu'on a cassé un gène. Donc, la RNA, des fois, continue à être existée. Elle est raccourcie, modifiée, devient un protéine. Il y a des recherches qui existent à cet égard avec des cellules de souris. Ça démontre qu'il y a d'autres choses qui se passent, mais pour la recherche, c'est un instrument formidable. Donc, l'euphorie est bel et bien fondée, mais pour le forçage génétique, eh bien, on doit dire que ce n'est pas seulement intégré une fois dans la nature, mais après, ça se reproduit pour les générations suivantes. Qui exactement fait la recherche par rapport à des technologies? Qui investit dans cette recherche? Peut-être vous pouvez étayer vos propos avec des exemples. Comme dit, le rêve, l'idée de parvenir à faire quelque chose comme cela, voilà, enlever des éléments nocifs d'un contexte global. Ça existe depuis les années 20, les années 40. Lombrowski et les autres ont essayé de trouver des méthodes pour faire en sorte que tous les éléments nocifs dans l'agriculture, ou des mouches par exemple, des moustiques ou bien des mites, on a essayé de pouvoir les enlever. Au départ, on a cru que c'est une méthode formidable pour. Alors, on a disséminé des nocifs qui ont été rendus stériles de par de la radiation. On a fait ça aux États-Unis à partir de 1957. Pour une mouche notamment, c'était
la mouche Lucilly Boucher. Et là, on était capable de l'exterminer. Bon, c'était beaucoup de travail. Et on s'est dit, si on pouvait le faire simplement dans la nature, ben, donc comme ça, ça passera tout seul, le passage génétique pourra s'imposer. Alors là, d'un coup, la boîte de Pandore s'ouvre, les gens disent, ah, on pourra l'utiliser. Par exemple, il y a ces petits mouches aux États-Unis qui attaquent les cerises. Ça existe aussi maintenant en Allemagne. C'était la mouche Zuzuki, Drosophila Zuzuki. Donc là, on a l'idée de les modifier de sorte qu'elles ne puissent plus attaquer les cerises. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ça arrive dans la patrie, dans le pays d'origine de cette mouche? Ou si on l'extermine, qu'est-ce qui se passe dans le contexte de l'écosystème global? C'est toujours ça, oui. Donc, il faut toujours pondérer. On pourrait dire, oui, super, on a une agriculture exempte d'éléments nocifs. Mais qu'est-ce qui peut arriver, en fait? Quels sont les risques? Qu'est-ce que vous envisagez comme risques qui peuvent se produire? Eh bien, d'une part, plus on envisage de faire en sorte d'avoir tout le plus stérilement possible, ne plus avoir des éléments nocifs. Par exemple, les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Bon, c'est pas un mot très politiquement correct, mais enfin, les éléments nocifs, les insectes, etc. Si on veut faire en sorte qu'on n'utilise plus des pesticides pour les utiliser. Néanmoins, ce n'est pas un biotope pondéré qui se sert de la nature. La nature est perçue comme un ennemi. Donc, en fait, on mène la guerre contre la nature. Le risque lié à cela et le suivant, les réponses peuvent être d'autant plus fortes parce que c'est une résistance qui peut être développée. Et ça a déjà été observé par rapport au CRISPR. Les moustiques modifiés, lorsque l'on a voulu combattre le paludisme, il y a eu cette idée, il y a un élément résistant qui s'est créé. Si on a coupé, recollé sans que le CRISPR ait été intégré, on ne peut plus recouper. Donc, on a développé une résistance et toute la variabilité des gènes, des séquences dans la population large peut créer des résistances. Ça veut dire ça peut devenir, ça peut revenir en fait de manière d'autant plus forte. Et si on a enfin, c'est le taux de mutation qui s'augmente finalement. Alors, toute cette théorie d'évolution, finalement, c'est assez chancelant. D'un coup, on ne peut plus faire des pronostics. Si je vois bien, il y a aussi ces applications des espèces invasives. On veut les exterminer. Voilà, se sont répandues sur certains continents. Le paludisme, on va parler de ça plus dans les détails. Comment se financent de telles recherches? Est-ce que c'est de la recherche fondamentale qui finance cela? C'est différent. C'est tout comme pour le moustique, comme je l'ai dit, Drosophila, ça a été financé par ceux qui font de l'agriculture, enfin qui cultivent ces cerises. Puis, lorsqu'il s'agit du sujet les souris, que l'on veut faire partir de certaines îles où c'est devenu un problème, ça c'est un autre consortium qui donne des fonds. Là, il y a par exemple DARPA, ça vient des États-Unis, projet de recherche pour la défense des États-Unis. Ils ont donné beaucoup de fonds et donnent aussi des fonds
pour d'autres projets de recherche, comme par exemple ce qui est dédié aux moustiques, aussi l'antiforçage, parce que cette technologie n'est pas utilisée que pour des fins paisibles, mais aussi de manière agressive. Et beaucoup de philanthropes voient là une possibilité pour faire avancer leurs propres idées. La fondation Bill Gates donne beaucoup d'argent au Qatar. Donc, les intérêts sont bel et bien là. Voilà, il y en a ceux qui misent fortement sur la technologie génétique. Alors, ce que l'on voit souvent, on observe la pression qui existe pour réaliser ce genre de projet. Ce n'est guère adéquat lorsqu'on regarde le risque qui existe de l'autre côté. Mais voilà, il y a beaucoup de pression, un intérêt pour la prévention, pour guérir les maladies. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce n'est pas seulement le paludisme, on le voit pour l'Organisation internationale de la protection de la nature, IOCN, là aussi, toute cette biologie synthétique, on la regarde. Donc, on essaie de voir la technologie génétique, le forçage génétique devrait donc utilisé pour la protection de l'environnement. Là, il y a beaucoup de pression exercée de part des parties prenantes qui voudraient que ces technologies deviennent plus fiables que, au lieu de s'attaquer des problèmes de base qui ont produit ce type de symptômes. Donc, il y a aussi de la pression qui vient du niveau économique. Où est-ce qu'il y a d'une part les écologistes, de l'autre côté les économistes? Non, c'est notamment des intérêts financiers qui sont en jeu. Lorsqu'on regarde, le débat est en cours dans le cadre de la Convention pour la biodiversité, CDB. Toute la biologie synthétique, c'est très controversé. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître que c'est un nouvel élément que l'on doit regarder. Il y a les intérêts des groupes Monsanto, Bayer ou bien d'autres entreprises innovatrices sont là, ont de grands intérêts et ils ne veulent pas que des nouvelles règles soient arrêtées. Ils souhaitent que les règles soient réduites pour que on puisse s'en servir comme on le souhaite. Donc, le débat est actuellement mené à bien, peut-être deux ou trois phases. Comment est-ce que ce débat est mené à bien et quelles sont vos attentes au printemps prochain? Bon, dans toute la discussion que nous avons vue, on voit que la prise d'influence qu'il y a eu, par exemple, il y avait le Gene Drive File, on voyait que M. Bill Gates, avec 1,6 million on peut dire comme investissement, et on voit ça dans la fondation Bill et Melinda Gates qui a donné justement cet argent-là pour augmenter l'acceptation sur les forçages génétiques. C'est-à-dire, ils cherchent pas seulement que le forçage génétique soit compris, mais aussi qu'il soit accepté. Alors, vous voyez, il veut dire tout va bien, on sait très bien ce qu'il va passer, et on voit vraiment qu'il cherche de justement soutenir ses arguments. Alors, il veut prendre, si on peut dire ça, c'est une prise d'influence de ceux qui sont d'accord. Mais est-ce que vous pensez que si les critiques, ils font entendre leur voix ou pas? Je pense que si on regarde vraiment le principe de prévention, l'utilisation, la conservation, le maintien de la biodiversité, alors là, il faut vraiment observer avec attention
toute nouvelle technique pour voir qu'il n'y a pas de risque, de péril. On doit voir qu'il n'y a pas le risque de rendre la situation encore pire qu'elle est maintenant. Et je pense alors que la communauté, la pression publique, par exemple, si regarde ce qui se passe avec le paludisme, doit le faire, disons, avec une approche différente. Il faut voir exactement comment on peut vraiment réfléchir sur ces technologies. Alors, malheureusement, le temps qu'on a à disposition est limité et on va se rencontrer tout à l'heure, mais il y a encore une question que je vois ici dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a le péril, le risque que les propriétés qui sont, disons, portées par le forçage génétique qui puissent être transférer aussi à d'autres espèces ou pas. Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y a certaines espèces. Alors, il y a justement la possibilité qu'il y a un croisement, comme il s'est passé avec la mouche du paludisme, que justement, il y a des croisements entre différentes espèces. Mais, d'autre côté, il y a ce transfert horizontale, c'est-à-dire il y a aussi d'autres possibilités de transférer ce gène modifié, par exemple, entre un type de mouche vers un autre type de mouche. La possibilité existe même dans le forçage génétique. Et même si cette possibilité-là, elle est minuscule, mais elle existe. Alors, bon, c'est vraiment quelque chose qui doit être observé aussi. Toute dernière question, est-ce que maintenant il n'y a pas encore cette libération, cette dispersion ou bien comment, c'est quoi la situation maintenant? Alors, maintenant c'est le CBD qui est responsable, c'est l'Agence nationale de la santé qui observe ça. Mais le CBD il est responsable en ce qui concerne les questions environnementales. Et si on regarde maintenant, il n'y a pas un règlement qui puisse voir ce que sont les limites de ces mécanismes, ce que seront les développements globaux. Alors, comment se comporter? On peut regarder, on doit regarder ce qui se passe aussi dans les pays voisins. Et pour l'instant, il n'y a pas de contrat encore. Et on a un contrat sur la sûreté des organismes modifiés biologiques, mais on a besoin de réglementation. Merci bien, Madame Stemmeyer, pour votre participation. Et c'est important, justement, qu'on ait une réglementation internationale parce que on parle de la possibilité de disséminer ces organismes modifiés, par exemple au Burkina Faso, Target Malaria, c'est une organisation qui cherche à modifier. On a mettons Monsieur Tapsoba. J'espère que lui puisse nous donner de sa perspective ce que c'est pas. Monsieur Tapsoba, est-ce que vous êtes là? Je pense qu'il y a un problème. Monsieur Tapsoba, vous êtes là? Non, il est là. Bienvenue, Monsieur Tapsoba. Est-ce que je peux vous présenter? Vous êtes un activiste pour l'environnement et pour les droits des hommes. Voilà. Vous travaillez pour une organisation Terre à Vie et pour le collectif citoyen pour l'agroécologie, c'est-à-dire une initiative pour l'agroécologie. Et vous vous êtes engagé avec
le thème de la mouche, du paludisme, du forçage génétique. Peut-être vous pouvez nous parler de la situation au Burkina et peut-être vous dire c'est qui veut commencer avec ce projet. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, il faut dire que l'état des lieux au Burkina Faso se présente actuellement comme suit. Actuellement, chez nous, il y a deux types d'OGM en expérimentation. Il y a de l'OGM végétal, il s'agit du haricot, le niébé génétiquement modifié qui est en recherche confinée. Le niébé est une légumineuse chez nous qui est fortement consommée au Burkina et dans tous les pays de l'Afrique. Une légumineuse qui est potentiellement très riche en protéines et que les gens aiment beaucoup consommer. Donc, nous croyons que si on arrive à mettre en plein champ ce niébé, ça va affecter le système alimentaire, ça peut aussi polluer la santé des humains. Le deuxième organisme génétiquement modifié, ce sont les moustiques génétiquement modifiés que le projet Target Malaria est en train de mener. Et là, c'est un OGM animal. Et c'est le plus dangereux actuellement et notre but est concentré. Et pour parler de ce projet de Target Malaria, il faut dire que le projet a commencé ses bases depuis 2012, mais c'est officiellement en 2016 que nous avons eu l'information de ce que des œufs ont été importés de l'Imperial College de Londres dans notre pays pour être mis dans un insectarium à Bobo pour éclore, avoir les races de moustiques génétiquement modifiées. Et le projet, il est piloté par l'Institut des recherches des sciences de santé qui se trouve logé dans notre centre de recherche. Et à ce jour, ils ont lâché le mois de juillet, exactement le 2 juillet 2019, 6400 moustiques génétiquement modifiés. Selon eux, ce sont des mâles stériles. Mais nous avons des informations scientifiques qui démontrent qu'il est improbable pour pouvoir lâcher exclusivement des mâles stériles. Il y a dû avoir la probabilité qu'ils ont lâché des femelles. Donc, à ce jour, il y a eu un premier de 6400 moustiques modifiés dans le village de Banan et de Soukoudingé, à quelques encablures de Bobo Dioulasso, un peu loin de la capitale. Et le débat a été un controverse parce que cela a choqué l'opinion nationale burkinabé qui n'acceptait pas du tout pourquoi on se permettait de venir dans notre pays pour lâcher des espèces animales vivantes génétiquement modifiées sur des populations cibles. Parce que là, les cobayes sont directement des humains qu'ils vont tester. Donc, le débat était un sujet de controverse au niveau national. L'opinion nationale était choquée. Dans les radios, les chaînes de télévision, dans les rues, partout, tout le monde était inquiet. Ça a obligé le gouvernement à sortir pour rassurer la population, mais ils n'ont pas pu parce que les gens ont dit simplement d'arrêter ce projet hasardeux. Et nous, nous avons fait des plaidoyers pour dire qu'on ne pouvait pas continuer avec ce projet. Et quand on parle de Target Malaria, il faut... Ich würde gerne eine kurze Nachfrage stellen zu dem Versuch. Das waren aber noch nicht... Une question pour le test. Ce n'était pas encore des moustiques qui étaient génétiquement modifiés. C'était d'abord une préparation pour les lâcher 2 ans plus tard en étant des organismes génétiquement modifiés. C'était d'abord... pour voir comment ça va se faire, la dissémination. Ou est-ce que déjà, à ce premier moment, lorsqu'ils ont été lâchés, ils étaient déjà génétiquement modifiés? Bien sûr, Target Malaria a dit qu'ils ont lâché des moustiques génétiquement modifiés. Ce ne sont pas des moustiques forcés génétiquement, non. Mais c'est bel et bien des moustiques génétiquement modifiés. Parce que les œufs, les 5000 œufs qui ont été importés de l'Imperial College étaient des œufs génétiquement modifiés. Ce qui veut dire qu'à ce jour... Ah, bah, kein Gene Drive, noch kein Gene Drive, ok. Mais pas encore du forçage génétique, d'accord, yeah. C'est ça. It's not Gene Drive, yeah. Okay. It's GMO, okay. Mosquito. Okay. It's GMO mosquito. Good. Alors, il faut dire que par rapport à l'approche de Target Malaria, ce projet, en fait,
c'est à abuser l'analphabétisme des communautés locales qui ne pouvaient pas comprendre réellement que veut dire les termes de génétiquement modifié. Ils ont dit simplement aux populations qu'ils étaient venus pour aider les gens à lutter contre le paludisme. Ils ont aussi usé de la corruption parce que dans les communautés locales, ils ont recruté des jeunes pour capturer les moustiques dans les milieux et ils payaient des modiques sommes à ces populations-là pour qu'ils se fassent piquer sur la peau afin de capturer les moustiques. Des choses déjà même qui sont en contradiction avec les protocoles, les dispositions de Helsinki qui ne permettent pas ce genre de comportement. Et Target Malaria, en réalité, c'est pas des consentements libres et éclairés, mais c'est plutôt un abus de l'analphabétisme de la population. C'est aussi de la corruption. Et comme il y a un aval du gouvernement, parce que Bill Gates a monté un milliard pour financer les projets, donc le gouvernement fait la sourde oreille par rapport à l'avancement de ce projet qui n'a pas du tout un consentement au niveau des populations. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à rejeter? S'il vous plaît, permettez-moi de le dire brièvement. Target Malaria, ils disent clairement, on n'a rien fait sans le consentement des gens. Est-ce que ça serait peut-être possible que c'était les ancêtres d'un village qui n'avaient pas très bien communiqué? Est-ce que c'était un peu dû à cela que finalement le message n'a pas été bien reçu de par la population? Non, Target Malaria ment. Il n'y a pas eu de consentement libre et éclairé tel que décrit par les textes. Nous sommes allés dans ces villages, on s'est entretenu avec quelques-uns de la communauté. Qu'est-ce qui se passe? Target Malaria discute simplement avec certains chefs de village et des délégués, et ce sont ces personnes-là qui donnent ce qu'ils appellent leur avis. Ce n'est pas un consentement parce que la population ne maîtrise pas les enjeux. Nous, nous sommes allés dans ces villages et on nous a menacés de mort parce qu'on ne voulait pas qu'on s'adresse aux citoyens pour savoir est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que Target Malaria. Ça veut dire qu'ils avaient peur que toute la communauté sache la vérité. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement corrompu des délégués et des chefs de village. Et quand vous regardez les fiches où les communautés locales ont rempli, vous allez comprendre que ce ne sont pas des fiches de consentement libre et éclairé, parce que d'abord, ils ne comprennent pas français. Donc, c'est ce qu'on leur a traduit, tout simplement, qu'ils ont signé. En plus, nous avons dit que les moustiques étant des vivants capables de se déplacer, on ne peut pas se contenter d'aller échanger avec une petite communauté dans quelques localités et dire que cela suffit. Parce que les moustiques sont capables de voler ou par les vents, par l'air, de voyager à 10, 15, 20, 30, 50, 100 km en dehors. Donc, il aurait fallu que Target Malaria ait l'avis de l'ensemble de la population burkinabè et non aller discuter simplement dans les villages avec des personnes analphabètes qui ne comprennent pas les enjeux. Alors, Target Malaria n'a pas le consentement libre et éclairé de cette population. Ok. D'accord. Donc, vous voyez ça d'un œil critique. Eh bien, comme il n'y a personne de Target Malaria, je peux que dire qu'eux, ils racontent ça autrement. Mais voilà pour la question de base. Le paludisme, c'est un grand problème. Alors, pourquoi? Il faut toujours pondérer les choses. Il y a des risques, il y a des chances. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement sceptique par rapport à cette méthode? Et peut-être pourriez-vous aussi également dire quelles sont les alternatives que vous voyez dans les manières que l'on a pour combattre le paludisme? Quelles sont les autres méthodes à disposition? Alors, d'abord, je vais vous dire que le paludisme est devenu un business en Afrique. C'est-à-dire que les taux de mortalité qu'on donne au paludisme, ce sont des chiffres qui sont faux. C'est simplement gonflé pour avoir des bailleurs et puis avoir l'argent. Sinon, en réalité, quand vous regardez certains tableaux publiés par des centres de recherche, vous allez voir que le taux de paludisme est en train de réduire, la mortalité du paludisme est en train de réduire en Afrique. Et
nous sommes très sceptiques par rapport à l'illusion que Target Malaria est en train de vouloir s'aimer chez nous, parce que tout simplement, nous avions connu l'expérience lamentablement échouée du coton génétiquement modifié. Quand on a amené le coton génétiquement modifié chez nous, le Bolgar 2, nous avions dit que ça allait créer forcément des problèmes, parce que dès qu'on parle des OGM, il y a la question des barrières des espèces qui ne sont plus maîtrisables. Il y a la question de pollution génétique qui sont probables. À partir du moment où on se met à modifier les gènes, il peut avoir des perturbations de l'espèce. Et effectivement, le cotonnier burkinabé, qui était prisé au niveau international, lorsqu'on a inséré le gène de Monsanto, le cotonnier a perdu sa capacité en production. Ça veut dire que le rendement a diminué. Et ensuite, la fibre du coton était devenue courte, donc invendable au niveau international. Donc, rien qu'à partir de cette expérience, nous avons dit, mais on ne peut pas permettre encore qu'on amène des OGM dans notre territoire, parce qu'au moins, ça, c'était du concret. En plus de ça, quand on a appris que l'objectif de Target Malaria à la fin, c'était de dépasser même les OGM et de faire du forçage génétique, nous avons dit que ça, c'est la catastrophe. Parce que des publications scientifiques de par le monde démontrait que la technologie du forçage génétique n'est pas encore maîtrisée. La technologie du forçage génétique, elle est incertaine. La technologie du forçage génétique n'a encore été explorée nulle part. Nous avons dit, mais pourquoi les grands pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, Imperial College, mais Imperial College, ils n'ont qu'à mettre un grand grillage dans le collège là-bas, fabriquer les moustiques et puis les lâcher avec les étudiants testés chez eux d'abord avant de nous amener chez nous. Pourquoi les pays qui ont les grands moyens scientifiques n'ont pas essayé de faire le forçage génétique chez eux, évaluer les résultats avant d'envoyer ça chez nous? Si c'est bien, qu'ils commencent là-bas. Donc, rien que ce sont ces aspects scientifiques, nous ont dit qu'on ne peut pas admettre cela. Et en dehors de ces aspects scientifiques-là, Ja, vielen Dank. Im Interesse unserer leider kurz. Malheureusement, comme notre temps est limité, quels sont vos espoirs par rapport à la conférence sur la diversité biologique qui va se dérouler l'année prochaine? Quelles sont vos espérances par rapport à la CDB? Nos espérances est que, pour une fois, que la conférence arrive à respecter l'esprit de Cartagena, qui quand même prédispose de prendre ce qu'on appelle les précautions. Mon espérance est que la conférence respecte quand même ce qu'on appelle la volonté des communautés autochtones. Mon espérance est qu'à cette conférence, nous ayons un moratoire sur le forçage génétique. Que cette conférence dise clairement que c'est une technologie non maîtrisée, c'est une technologie hasardeuse, c'est une technologie controversée, par conséquent, qu'on arrête purement et simplement les expériences sur le forçage génétique. Parce que j'étais en train de vous expliquer, politiquement, socialement, économiquement, culturellement, les OGM, à la fin, le forçage génétique va être sérieusement un bouleversement pour les pays de l'Afrique. Vous savez que ce que Target Malaria est en train de faire, ça va en fait impacter le système sanitaire des pays de l'Afrique. Ça va créer une dépendance de notre système sanitaire vis-à-vis des multinationales. Parce que pour reproduire les moustiques au laboratoire, ça commande de mettre beaucoup de milliards. Et ces milliards-là, alors, ça va obliger les pays africains à injecter de l'argent dans quelque chose d'hasardeux, et ça va mettre notre système sanitaire dans un désordre. Et même socialement, vous savez que une fois que on a une génération, vielen Dank. Oui, une génération d'OGM dans la nature, ça va mal. Diese genmodifizierten Organismen, das wird Auswirkungen haben. Messieurs Ali Tapsoba, merci d'avoir fait part de vos préoccupations. On va se reparler tout à l'heure, si le temps le permet. Vous avez bien parlé du système sanitaire. Je dois très brièvement ajouter. Alors, je viens d'apprendre
beaucoup de personnes n'ont pas reçu une bonne traduction de ce que Monsieur Ali Tapsoba a dit. Donc, je résume très brièvement. Il a donc critiqué le fait que le projet Target Malaria au Burkina n'est pas suffisamment éclairé la population. Il a fait part de sa préoccupation que le forçage génétique, ce n'est pas encore véritablement développé, c'est lié, peut être lié à de nombreux risques. Il espère que ce sujet, lors de la CDB l'année prochaine, puisse être repris en compte, qu'on puisse véritablement impliquer les gens. Bon, Target Malaria les a impliqués, mais ce n'était pas fait de manière suffisante. En voilà pour un diagnostic de loin, système de santé. Cela nous amène à notre prochain expert, Monsieur Andreas Wolf, conférencier pour la santé mondiale, donc au sein de Medico International, donc une organisation de la solidarité internationale qui est là, déploie des activités diverses. Vous avez tous écouté. Peut-être vous pourriez nous dire brièvement l'utilisation de telle technologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un essor? Quelle est votre estimation? Merci bien pour cette invitation. Si je peux vous donner mon point de vue en ce qui concerne le paludisme, la question du paludisme, c'est que le désir réussir à tenir sous contrôle cet agent nocif, ça c'est vraiment un désir de l'humanité, que ça existe depuis longtemps, que pendant longtemps ça n'a pas marché, et je pense que aujourd'hui, maintenant, nous avons l'impression que le forçage génétique pourrait donner une possibilité d'exterminer justement le responsable de du paludisme. Et ça, ce sont justement les espoirs que nous avons aujourd'hui. Mais l'expérience de décennies de contrôle de du paludisme montre que ça peut marcher seulement si on travaille ensemble, les communautés qui sont intéressées par ces problèmes, et pas seulement en se limitant sur les médicaments, sur les technologies qui sont avancées par les promoteurs. Il faut vraiment continuer à travailler ensemble avec aussi la prévention et le traitement. Alors, si je vous comprends bien, vous dites que dans un système de traitement, ça pourrait avoir justement un effet, oui ou non. Alors, en général, je pense que les arguments qu'on a entendus, même au début par Mme Steinbrecher, ce sont des questions très relevantes, ce sont des espoirs que certaines manipulations soient introduites dans l'écosystème, qu'on puisse aussi les contrôler, et pour éviter d'avoir des effets secondaires négatifs dans la longue période, parce que cela serait naturellement un problème. Surtout si on entend les mots de M. Tapsoba, si maintenant on entend que dans les communautés locales, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas communiqué, alors ça, c'est vraiment un problème, des gros problèmes même. Peut-être parce qu'il faut toujours faire une évaluation. Est-ce que vous pouvez décrire, il y a des pays où le paludisme n'a pas été éliminé, mais ça a diminué beaucoup. Alors, si on n'a pas une technologie comme celle-ci, c'est quoi les technologies alternatives? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gros succès
dans la lutte contre la maladie, contre le paludisme. Et si je regarde les premiers résultats qu'on avait eus, ou par exemple dans les pays où on a contrôlé les moustiques responsables, le niveau des infections dans la société a été réduit. Et cela justement a permis d'avoir des gros résultats. Et chaque fois où on laisse avec cet engagement, alors là, on a une recrudescence de la maladie et de l'épidémie. Et peut-être aussi, il y a des gros mouvements de population à cause des guerres, d'autres guerres. Alors, mais en général, il faut dire qu'il faut continuer avec les efforts. Et aussi, même si on a des idées, il faut continuer à les appliquer. Autrement, on a un problème. Et ça, c'est une chose qu'on a déjà vue dans le passé. Et en ce que je peux dire, mon opinion, ça, c'est un problème. Même si on ne considère pas les effets secondaires et les effets secondaires qu'on n'attend pas, ça, justement, c'est important de continuer la lutte qu'on a entreprise. Et ce sentiment que vous avez, il est basé sur quoi? Vous êtes actif aussi dans le thème du sida, dans d'autres thèmes aussi, dans aussi de pulmonie. Est-ce que c'est un conflit qu'il y a toujours entre les rêves techniques, technologiques et les structures politiques? Est-ce que on peut dire ça? Oui, oui, c'est vraiment une conviction de base que nous avons, que le désir d'arriver finalement à trouver une solution pour éliminer le diabète, par exemple, ou bien d'empêcher que ce soit un grand problème. Mais nous savons que aussi l'industrie pharmaceutique continue à développer des nouveaux médicaments. Ou maintenant, si on regarde la situation du COVID-19, et si on pense au vaccin, et on voit que ce n'est pas toujours possible ou on n'arrive pas vraiment à la solution qu'on s'attend. Et peut-être si on pense aussi à l'expérience décennale qu'on a eue avec le VIH, où on n'a pas encore de vaccin. Et en fait, il faut vraiment penser à contrôler le problème. Et ça, c'est vraiment une exception d'arriver à exterminer un problème. Ça, c'est l'exception. Et si on pense aussi à des vecteurs des virus, des bactéries, on voit que les possibilités de la technologie sont toujours limitées. Alors, il faut aussi penser aux nécessités des gens et travailler avec les personnes pour leur santé, pour leurs nécessités, et pas se fixer seulement sur les technologies. On a parlé aussi du rôle des philanthropes, comme la fondation Bill Gates. Vous vous êtes occupé de cela, et elle s'est engagée aussi avec le thème du COVID. Il y a aussi des thèses de complot, peut-être vous l'avez entendu, qui sont diffusés sur Internet, mais
il y a aussi peut-être aussi en partie des critiques qui sont justes. Qu'est-ce que vous pensez de cette fondation? Alors, cette fondation, elle donne beaucoup d'argent, elle a des espoirs, mais c'est quoi, c'est où la limite entre la critique juste, entre les complots et le bien qu'il peut faire? Alors, nous disons souvent que une fondation, c'est plutôt un symptôme d'un problème. On voit qu'on a des acteurs privés, comme justement les fondations. Alors, mais c'est qui contrôle les décisions dans des groupes si grands comme celui-là pour les objectifs de la technologie? C'est qui contrôle cela? Si on pensait à la fondation Bill et Melinda Gates, ce sont seulement eux, ce sont deux personnes. Et peut-être que après-demain, ils s'occuperont d'une autre maladie encore. Et je pense qu'on pourra avoir justement de la confiance si une fondation comme celle-là, elle travaille avec les chercheurs aussi. Mais il faut penser aussi à la réalisation des résultats des recherches et aussi à la fonction aussi d'une publication des données qu'ils obtiennent. Vous voyez là, ce sont tous des problèmes, toutes des questions qu'une fondation comme celle-ci doit se poser. Et il ne faut pas se limiter à une approche seulement technique ou technologique. Il ne faut pas se limiter à une solution seulement technologique pour des problèmes complexes comme le paludisme. Alors, vous avez, si je comprends bien, des soucis du point de vue démocratique, c'est ça? Oui, c'est d'un côté. Mais alors, ça, c'est une chose. Mais il faut penser aussi que la famille Gates, elle a aussi un point de vue impéditorial. Et alors, je pense qu'il y a une tendance. Alors, c'est pas. Attention, Bill Gates n'a pas inventé les fondations comme celle-là, mais vous voyez bien alors que les suspicions qu'elle a, elles ont raison d'être. Parce que maintenant, on voit que dans la crise sanitaire mondiale qu'il y a maintenant, il faut penser aussi aux institutions qui puissent donner de la confiance aux citoyens. Et je pense alors qu'une solution, une fondation comme celle de Bill Gates, elle n'aide pas parce qu'elle pense seulement à une solution unique, elle pense seulement au vaccin. Mais attention, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut penser aussi à la possibilité de parler aux gens, de laisser comprendre aux gens ce qui se passe. Et la fondation Bill Gates ne fait pas attention à ça. Alors, elle s'est définie une learning organization. Alors, comme on a appris beaucoup de choses avec Corona, peut-être il y aura encore un changement. Merci bien pour votre intervention. C'était limité à une technologie. Merci bien, monsieur André Wolf. On va passer au dernier participant. Je ne vois pas de questions. Bienvenue, Mareike Imken. Mareike Imken, elle fait aussi partie des organisateurs de cette. Elle est
organisatrice de la Gene Drive campagne et elle travaille pour l'organisation Save Our Seed. Comme le nom le dit, vous êtes très critique contre cette technologie. J'aimerais bien vous demander au début, moi je pense toujours, il faut évaluer les avantages et les points négatifs. Et je pense à ça, par exemple, comme alternative aux pesticides. Pourquoi c'est mieux par rapport à la force génétique? Alors, les pesticides, tout d'abord, sont mauvais pour la variété des espèces, mais si on fait ça en comparaison avec les forçages génétiques, je ne pense pas que c'est possible, parce que dans les forçages génétiques, il s'agit d'une approche tout à fait différente par rapport aux pesticides sur la nature. On dit toujours que dans les forçages génétiques, il y a seulement une toute petite partie, un tout petit changement dans les patrimoines génétiques des organismes qu'il n'y aura pas de dommages. Mais finalement, nous, en tant qu'humanité, même les scientifiques maintenant ne savent pas, ne veulent pas voir ce qu'il y aura comme effet dans les changements du point de vue génétique et même dans le comportement de l'espèce. Et aussi, ils ne savent pas ce que ça sera, l'interaction dans l'écosystème. Et si on pense à une espèce qui est exterminée, voilà, ça c'est la chose nouvelle. Nous, en tant qu'humanité, on veut avoir un moyen pour exterminer une espèce ou bien de la modifier. Je pense que, mettons, un moment où il y a déjà une disparition naturelle de certaines espèces, ça devient aussi un problème éthique. Et de notre point de vue, c'est pas une question qui peut être décidée seulement par quelques personnes. Alors, votre organisation demande, avec d'autres aussi, qu'il y aura un moratoire global sur cette technologie. Et vous le faites aussi en pensant au CPT. Concrètement, vous pensez à quoi? Sont quoi les chances qu'il y a maintenant? Alors, les forçages génétiques, comme Mme Chambraka au début a dit, elle a un potentiel de développement global. Une fois qu'il a été de dissémination globale. Une fois qu'elle était justement disséminée, il y aura un développement mondial. Alors, ça sera vraiment une question acute qui n'est pas encore, été approchés par la législation de Carthagène maintenant. Et alors, les pays n'ont pas la possibilité de vérifier cela. Alors, de notre point de vue, il doit y avoir tout de même un débat du point de vue international et prendre une décision qui puisse assurer qu'il y a un accord à cette technologie avec tous les risques qui sont connecté à cela. Et selon notre perspective, ce qu'on sait maintenant, ce n'est pas assez encore pour prendre une décision comme celle-là. C'est pour cela que nous demandons un moratoire pour avoir plus de temps pour conduire cette discussion et pour évaluer aussi les conséquences techniques qu'il pourrait y avoir et pour discuter aussi des détails techniques. On sait que je sais, un moratoire consulaire de la CBD a déjà échoué. Est-ce que vous avez un espoir que ça puisse marcher à la dernière conversion, il y a déjà eu la demande d'un moratoire il y a 2 ans à Sharm el-Sheikh. Là, on n'a pas arrivé à
disons, s'accorder sur un moratoire ou bien à des mesures, sur des mesures préventives qui, justement, étaient liées à la dissémination de ces mécanismes. Ce que nous demandons, c'est avec, disons, un rassemblement d'organisations ensemble, parce que c'est vraiment une chose nécessaire. Et je ne veux pas dire ça comme demande politique. Je sais, c'est difficile, c'est très difficile. On a besoin d'un consensus au niveau mondial, d'un consensus au niveau mondial et aussi un intérêt de pays qui ont une diversité technologique. Mais on a vraiment besoin d'avoir un débat et d'avoir aussi des mesures préventives et de sécurité qui doivent être établies. En Allemagne, ce débat, pour le moment, ce n'est que parmi des cercles de professionnels. C'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas de mise en œuvre pratique en ce moment. Mais quel est le positionnement du gouvernement fédéral, des parlements par rapport à cette demande d'un moratoire? Est-ce qu'ils sont avec vous? Est-ce qu'ils sont plutôt sceptiques? Comment ça se passe? Eh bien, le débat, en effet, n'est qu'à ses débuts. Et le gouvernement fédéral n'a pas véritablement de positionnement officiel par rapport à ça. Le ministère fédéral avait pris position dans une lettre l'an 2018. Ils ont dit tant qu'il y a des effets négatifs qui ne peuvent pas être exclus pour la biodiversité. Donc, ils ont dit pour le moment, on ne voudrait pas que la dissémination puisse avoir lieu. Le ministère de l'Agriculture n'a pas encore rien dit à l'échelon international. Ce sont eux qui sont responsables de la partie de l'ingénierie génétique. Donc, on part du principe que là, il y a une attitude ambivalente. Et une lettre ouverte, notamment datant de la même année, n'a pas encore trouvé de réponse. Néanmoins, le Parlement européen, au début de l'année, s'est engagé pour un moratoire global et par le biais d'une résolution, les États membres, la Commission sont invités à vouloir faire en sorte que lors de la prochaine conférence des États signataires, de par des raisons de prévention, un tel moratoire soit décidé pour qu'il n'y ait pas des effets néfastes pour la biodiversité. Maintenant, la Commission de l'UE et le Conseil ministériel de l'environnement doit encore se prononcer, ça n'a pas encore été fait, il y a encore des préparatifs en interne et la commission de l'UE avait été reçue une lettre de par 78 associations pour qu'ils s'engagent à un moratoire et ils ont répondu qu'ils voulaient tenir compte de cette position. Donc, c'est encore en train de traverser un processus de prise de décision ralenti à cause du corona. La technologie, si je le vois bien, n'est pas véritablement au point de pouvoir mener à bien des tests de dissémination en Europe. Si c'est quand même le cas, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que ça serait possible? Quelles sont les conditions préliminaires qui devraient être remplies? Il n'y a pas encore des demandes pour un agrément, à ce que je sache. Et je dois dire, dans les années à venir, ça ne serait pas encore possible. Parce que la Commission européenne, l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire a seulement donné l'ordre maintenant de mener à bien une étude, de développer une opinion sur des organismes de forçage génétique, si on peut faire leur évaluation de risque de ces insectes génétiquement modifiés pour un agrément. Il faut toujours une évaluation de risque. Et là, on est seulement au stade de regarder quelles sont les conditions qui doivent être réunies. Et comme l'a dit Mme Ricarda Steinbrecher au début, en partie, ce n'est même pas possible
de faire en sorte que de par les différentes générations puissent faire cette évaluation de risque et ce rapport. On s'attend à sa publication vers la fin de l'année. Et il y a aussi un comité éthique qui, à la fin de l'année, présentera un rapport par rapport à tout ce qui concerne le genome editing, les nouveaux procédés, les nouvelles applications. Et là, c'est aussi le forçage génétique qui entre en ligne de compte. En ligne de compte. Et la commission eh bien, sera influencée de par cela à l'avenir. C'est des processus qui vont encore prendre un certain nombre d'années. En Europe, dans un avenir proche, cela reste exclu. Mais les processus au Burkina, eh bien, dans le monde entier, cela pourra servir de modèle. Bien sûr que l'influence en émane ailleurs et cette prise de position de EFSA à l'échelon international ou au niveau du C2B, cela va avoir une influence par rapport à comment on rédigera les directrices, les lignes directrices internationales et on y parlera lors de la COP. Merci. Il y a toute une série de questions qui proviennent du public. Alors, apparemment, véritablement, ce n'est pas encore une technologie mûre. Donc, les débats peuvent avoir lieu maintenant. D'abord, il y a une question pour Andreas Wolf. C'est la question suivante. Parce qu'il y a des fonds publics qui, pour le moment, n'étaient pas en mesure d'exterminer des maladies. Pourquoi ne pas dépenser des fonds privés pour atteindre cet objectif? On ne vous entend pas? Maintenant, vous m'entendez? Oui, ok. Oui, on m'a aussi dit je dois parler plus fort. J'essaye. De par le principe, c'est bien de trouver des fonds supplémentaires pour de telles tâches humanitaires immenses, mais l'espoir qu'on puisse d'une fois prendre l'argent et exterminer par exemple le polio et ne plus avoir y affaire, eh bien, normalement, de tels modèles, ça ne marche pas. Il faut des stratégies beaucoup plus durables pour parvenir à contrôler des maladies, pour intégrer ça dans des programmes qui puissent les abattre. Et là, les fonds privés, bien sûr, cela donne la perspective de démontrer au plus vite que l'on peut faire quelque chose de manière couronnée de succès. Donc là, souvent, on se concentre sur des programmes précis, par exemple les vaccins. On aime ça parce que très vite, on a la preuve, on sauve de la vie, il n'y a plus des enfants qui meurent du polio, donc c'est censé, mais ça ne marche que, et c'était ça le point que j'ai souhaité soulever, ça ne marche que lorsque c'est intégré dans des systèmes sanitaires publics. Et pour que ça soit intégré, il faut aussi voir quel est l'ordre de priorité fixé dans les différents pays, dans les différentes communes, quels sont les différents problèmes de santé. On ne peut pas déterminer ça de l'extérieur, mais vraiment, on doit trouver une manière commune de l'intégrer. D'accord, donc vous n'étiez pas contre les fonds privés. Souvent, ce n'est pas seulement de l'innovation technique. Voilà, il s'agit du fait que ça soit bien intégré démocratiquement parlant. Maintenant, une question pour M. Ali Tapsoba. Est-ce que vous êtes parmi nous? Il y a un auditeur qui voudrait savoir que pourquoi vous parlez au nom des communes qui collaborent avec Target Malaria. Quel est votre lien vis-à-vis des communes? Est-ce que vous en êtes originaire ou bien d'où est-ce que vous détenez l'information et quelle est votre légitimité de parler au nom de la population? Voilà, c'est une question qui vous est posée. Alors,
Ma légitimité est d'abord individuelle parce que la constitution de mon pays permet à moi, individu, de prendre précaution du système de santé et de suivre la politique sanitaire de mon pays. Ensuite, j'ai une légitimité collective parce que je suis porte-parole de 40 organisations de la société civile réparties sur l'ensemble du territoire national burkinabé. Et je parle au nom de ces 40 organisations réparties. Je suis membre de la communauté parce que ce n'est pas parce que je ne vis pas dans le village que je n'ai pas des parents qui vivent dans ce village. Moi, je vais dans ce village pour travailler. Je connais des gens qui sont dans ce village, qui sont mariés, qui sont des parents. Donc, c'est au nom du droit humain, des individus et des groupes collectifs que je me permets de parler au nom de la communauté. Also eine mehrstufige Legitimation. Donc, c'est une légitimité à différents échelons. Donc, vous avez des liens directs et vous êtes un représentant des organisations. Merci, Monsieur Tapsoba. Toute une série de questions maintenant pour Madame Steinbrecher. À plusieurs reprises, il y a eu la question de la taille du risque ou de la chance, quelle que soit la perspective que l'on a, que le forçage génétique, ça ne marchera pas de toute façon, comme la technologie génétique traditionnelle. Voilà, tolérance, sécheresse, tout ce qui n'est pas encore atteint, même si ça fait des années qu'on se bat pour cela. Est-ce que vous voyez ça aussi pour le forçage génétique? Oui. Il y a cette possibilité que de par le principe que ça ne soit que un ballon qui après s'éclate, comme je l'ai dit tout à l'heure, forçage génétique, ce que l'on y connaît, il peut y avoir des résistances qui soient développées. Il se peut que ça fonctionne au début et que d'un coup, ça revient. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, les niches, les écosystèmes, comment ça s'est vu modifier entre-temps. Et après, la question de savoir comment ça va se modifier, eh bien, on ne sait pas. Lorsqu'il y a les résistances qui sont développées, ça veut dire en même temps que les organismes disséminés sont déjà génétiquement modifiés et on ne sait pas quelles modifications ils ont développées précisément. L'objectif ciblé n'a pas été atteint. Voilà, ce n'est pas seulement ça qui pose problème, mais aussi finalement on a créé un effet négatif. Mais moi, je comprends la question comme suit. Bon, l'objectif, est-ce que ça peut être atteint au sein du laboratoire? Est-ce que la technique est suffisamment complexe? Vous l'avez dit, à l'heure actuelle, tout existe. Bon, c'est une question simple, mais vu qu'il y a les grands défis, donc la question est celle de savoir, pourrait-il en être de même, que néanmoins la génétique soit aussi complexe que finalement l'intervention ne soit pas suffisamment précise. On l'a essayé avec des souris, ça n'a pas marché, avec les moustiques, après il y a la résistance. Donc, on essaye de contourner les choses en se servant d'autres gènes. Donc, voilà, il y a aussi la dissémination en même temps d'autres espèces. Donc, ça, c'est vraiment dangereux et ça peut vraiment être voué à l'échec. Puis, une question, je ne sais pas, à l'étape sous, vous pouvez y apporter la réponse. Alors, précisément, c'est quoi la modification des moustiques de paludisme? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment est-ce qu'on les modifie exactement? Qu'est-ce qu'on vous en dit? Monsieur Tapsoba, est-ce que vous aimeriez réagir par rapport à cette question? Monsieur Tapsoba, vous m'entendez, Monsieur Tapsoba? Peut-être vous, Madame Steinbrecher?
Ah, Monsieur Tapsuba doit mettre le micro. Vous mettre le micro. Je répète la question. Non, je répète bon, la question. Non, j'ai entendu la question. Doch, ich habe die Frage gehört. Doch. Oui, en fait, la modification génétique des moustiques ici, en fait, a consisté à toucher les gènes au niveau sexué des moustiques. Selon eux, il s'agit en fait d'insérer un gène qui va essentiellement créer des mâles. C'est faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de femelles, c'est de faire en sorte que les moustiques qui vont porter le gène qui joue sur l'aspect sexué masculin soient dominants, et quand ils vont s'accoupler à d'autres moustiques qui donnent en fait ce qu'ils appellent des œufs qui ne vont pas clore pour donner d'autres moustiques. Donc, c'est une modification qui touche à l'aspect sexuel des moustiques, selon eux, dans l'objectif de réduire la taille des moustiques. Mm-hmm. Vielen Dank, Frau Steinbrecher. Merci beaucoup, Madame. Si vous permettez, Steinbrecher. Vous avez parlé des alternatives que je n'avais pas pu vous évoquer. Allez, je spreche noch. Alors, il faut dire que nous avons des alternatives. Entschuldigung. OK. Nous avons des alternatives au Maroc et en Afrique. D'abord, nous avons une biodiversité qui est remplie de plantes endogènes qui soignent les maladies. Nous avons ici de la recherche avancée sur beaucoup de médicaments à base de plantes qui soignent la malaria. Nos chercheurs ont même réussi aujourd'hui à faire des sirops, à faire des gélules qui viennent à bout de la malaria. C'est-à-dire qu'il y a un savoir endogène qui est capable de combattre la malaria. En plus, nous avons surtout besoin d'une bonne politique d'hygiène et d'assainissement dans les pays africains. Une fois qu'on a une bonne politique d'hygiène et d'assainissement, vous allez voir que la malaria va disparaître d'elle-même. Ja, vielen Dank nochmal für diese Anmerkung. Also vielleicht. Merci de cette remarque. Aussi cette critique que la recherche n'est pas véritablement pondérée. Malheureusement, bientôt le temps s'achève. Donc il y a une question que je vais diriger à tous. L'application d'une telle technologie, peut-être à cet égard, on devra distinguer qu'est-ce que je fais pour combattre les éléments nocifs. Application dans la médecine, l'élevage, et puis pour les espèces, le maintien des écosystèmes où on extermine certaines espèces invasives. Donc, est-ce qu'il y a l'une des méthodes qui fait sens, l'autre pas? Peut-être vous, Monsieur Tapsuba, vous répondez brièvement en premier, et après, je donne peut-être la parole à Madame Steinbrecher. Je n'ai pas très bien compris la question. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a une méthode pour maintenir les espèces? Die Frage ist, ob die Technologie... La question de savoir, est-ce que la technologie doit être évaluée différemment selon les domaines d'application pour combattre des éléments nocifs ou bien pour exterminer certaines espèces? Est-ce qu'il y a une activité qui est censée, l'autre pas? Est-ce qu'on devrait tolérer l'une des choses, l'autre pas? Ou est-ce que par le principe, vous jugez cela comme une initiative critique? Non, nous, on a... Pour nous, la technologie, on ne peut accepter ni l'autre, ni l'un. C'est-à-dire ni dans l'extermination des espèces, ni dans combattre une quelconque maladie. La technologie en elle-même est déjà critiquable, est déjà suffisamment dangereuse. Parce que vous savez très bien que l'extinction des espèces ne peut qu'entraîner une déréglementation de la chaîne alimentaire. Vous savez très bien que les modifications génétiques peuvent en fait engendrer des espèces incontrôlées qui sont dans la nature. Il peut y avoir plus tard des mutins. Vous savez bien que ces toxines qu'on met dans ces espèces peuvent devenir en fait une pollution génétique dans la chaîne alimentaire. Donc cette technologie, en aucun point nous ne pouvons être d'accord. «
Möchte sich vielleicht noch jemand? Peut-être quelqu'un d'autre aimerait en dire quelque chose. Madame Steinbrecher, Madame Imken, veuillez également être brève. Est-ce que ça peut faire sens vu la crise aiguë que nous traversons? C'est intéressant que c'est toujours présenté de cette manière-là. On essaie de nous vendre ça comme quelque chose de bénéfique. C'est ce qu'on nous dit. Mais en fait, évaluation de risque, ça, peu importe à quelle fin on veut utiliser ça. Il faut regarder quels sont les organismes. Comment est-ce que ces organismes sont-ils intégrés dans les écosystèmes? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Et qu'est-ce qui t'arrive quand on envisage 100 générations à la fois? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va nous retomber sur les pieds? Donc, voilà, il ne faut pas qu'on regarde l'utilisation prévue, mais le risque. C'est d'abord le risque. Mais bon, l'analyse de l'utilité, ben, ça ne se fait même pas. C'est juste, voilà, on est là, on est enchanté, on dit, oh, on peut s'en servir à telle et telle fin. Après, il y a cette idée, on peut en faire ceci, cela. Il faut une analyse. Et là, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? J'ai mes doutes à cet égard. Madame Imken, vous aussi, vous aimeriez réagir? Oui, pour cette campagne, arrêter le forçage génétique, je dois dire. Il n'y a pas de réponse simple à cet égard du côté de la campagne. Tout juste, on lance un appel. Il faudrait qu'il y ait une participation, une discussion du public et il faut y avoir une estimation des conséquences, non seulement des risques écologiques, mais aussi les risques pour la santé, les effets socio-économiques. Les questions éthiques doivent être traitées. Et aussi des alternatives et tenir compte des inconvénients, des avantages, tout ça pour vraiment pouvoir se former un avis. On n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais on en discute à l'échelon de CBD. Lors de la prochaine COP, on pourra prendre une décision en ce sens-là. D'abord, il faut beaucoup de force pour que vraiment cette COP puisse avoir lieu. Je dois encore dire, mais notamment avec chaque application, on doit d'abord voir qu'il y ait eu cette évaluation de séquelles, mais pas dire on teste d'abord et après on fait l'évaluation de séquelles. Comme vous le dites, en Europe, ça ne marche pas, mais dans d'autres pays, sur d'autres continents, oui, ça marche. Donc, c'était peut-être un petit point de départ pour ce grand débat qui, pour le moment, a encore un peu de temps, voilà, en préliminaire du CDB. La technologie, pour le moment, est encore à ses débuts. Et donc, cette discussion entre les différentes parties prenantes peut encore être organisée. Donc, je vous remercie pour le moment, le temps et c'est décollé. Merci aux orateurs de vos contributions importantes. Merci au public pour les questions intelligentes et pour l'écoute patiente, pour le grand intérêt voué à ce sujet. Un grand merci aux interprètes, à la technologie. C'est malgré tout un petit miracle que, voilà, via Berlin, à partir de Burkina jusqu'à Oxford, on peut se comprendre. Merci aussi à l'organisation de la Fondation Heinrich Böll qui a permis que l'événement soit possible. J'aimerais attirer l'attention sur les prochains rendez-vous. Le 29 octobre, il va y avoir un entretien sur les informations séquencées numériques, les informations qui existent, ça appartient à qui peut profiter de l'utilité de cette info. Dans le cadre de CDB, on en discute et après, le 8 novembre, la discussion sur les solutions CDB pour l'utilisation de la nature pour
relever des défis écologiques comme le changement climatique. Donc, tout ça, c'est aussi assez controversé. Et donc, là aussi, on va avoir un débat intéressant. Un grand merci. Je nous souhaite à nous tous encore une belle soirée et peut-être on va se retrouver dans l'espace de 2 semaines ici. Au revoir.